Vas-y, vas-y. Ah mec, je te montre. Attends, regarde-moi une seconde. T'as vu? Ouais, je suis monté. Genre, en fait, il y a un siège passager en fait. Ah ouais. Ouais, va falloir être précautionneux, méticuleux. Ouais, ça a l'air de passer. Bon, moi, ça va être plus temps d'axe parce qu'il y a la tourelle entre moi et la sortie. Ouais, je vais direct en arrière. Ouais, pas con. Et puis je vais refaire un essai. Oh là là, j'aime pas ce qui se passe là. Attends, je vais rester un coup. En fait, c'est plus simple comme ça. Ouais, mais. Par contre, je vois rien là, donc. Ouais, t'inquiète. Mec, cette technique pour sortir. Attends, bouge pas. Hop. Attends, tu peux juste ouvrir la porte du hangar? Non, je prends un screen de nous avec les motos devant en fait là. Mais là j'ai un bon angle en fait. Bah là en fait j'ai ta moto, donc si toi tu montes sur ta moto, bah je nous ai tous les trois. Ah ouais, au pire là t'es bien aussi là. Oh le bruit de cette bécane mon gars. Ouais, j'ai des petits artefacts graphiques parce qu'il y a la météo qui commence à. Non, tranquille. Ça va pour le moment. Oh, il est où? Il est là-bas et je sais pas dans quel. On va à l'opposé, ouais. L'opposé. Ouais, c'est là. Coco, comment tu fais pour monter si haut? Non, Star Wars, mec. Waouh, mais j'avoue, mais c'est énorme, mec. En fait, tu peux vraiment planer, ouais. Par contre, l'atterrissage, fais attention, ça peut piquer. Hein. Et alors, VTOL, tu décolles un peu plus, en fait, comment ça se passe? Ouais, j'ai l'impression que ça t'aide un petit peu à monter, quoi. Mais j'ai pas l'impression que le VTOL change un truc. Hein. Bon, parce que peut-être que le délire, c'est peut-être pas d'aller le plus vite possible, mais peut-être de diminuer la vitesse et vraiment de faire un peu du freestyle, de contrôler, tu vois. Ouais, c'est je l'essaye un petit peu tout en même temps. J'aime bien ma tenue, ça fait motard. Ouais, je t'avoue, je suis un peu parti n'importe où. Ah, ouais. T'es derrière moi? Ah oui, ouais, je te vois. Ouais. Tellement plané de ouf! Eh, en plus, y'a un espèce de désert en face, ouais. Ouais. Et là, j'ai réussi à me. Après un grand vol plané, j'ai réussi à me reposer de manière assez douce. Ouais, les cailloux, c'est pour ça, ouais. Faut se trouver
trouver un bon désert, sa mère. Ouais, attends, je vais essayer de faire vitesse max. Pour le moment, je suis à 81. Ouais, j'arrive pas à monter plus haut. J'ai touché 82 en arrivant dans les airs, mais ça m'a tout de suite redescendu immédiatement. Ouais. Peut-être en descente, je peux aller plus vite. Ici, mais là, il se croque pas encore. Ouais, enfin, ça met du temps avant de les niquer. Hein. Ouais. Genre, vraiment, je le fais très souvent d'être dans le rouge. Ouais, c'est pas hyper cher et tout, puis après, je pense qu'il y a... Ah ouais. Non, tu peux pas vraiment monter, tu peux vraiment planer, c'est... Par contre, l'atterrissage, ouais, il est toujours un peu... Ah, un petit peu, ouais. Ouais, je l'avoue. Ouais, c'était aussi ce que j'essaye et. Ça se fait, ouais. Ah, ouais, regarde comme. Je sais pas si tu me vois, regarde comme je suis haut là. Je suis à 350 là. Oh, j'ai réussi à monter à 350 mètres. Bon, il y avait un tremplin de malade. Hein. Ouais, j'ai tracé de ouf. Attends, je vais t'attendre un peu. Putain, je me mets sous la colline. Ouais, je te vois. Putain, mec, comment t'es haut? Vas-y, continue, je vais essayer de te rattraper. Oh non! Ça t'a gêné? Ah ouais. T'as l'air fine, hein? Ah, NP. Ouais. Oh, la dune, ça, c'est tremplin, ça. Ouais, quoi que je me laisse lui manger. Oh mais mec, en fait, tu mets le boost, tu montes la souris vers le haut et t'appuies sur espace et tu planes, gros. Tu montes quasiment à 400, gros. C'est abusé. Non, vraiment, vraiment, très très fun, ce niveau-là. Oh putain! Tout va bien. C'est toi qui tire? Toi qui a tiré, ouais. Ah, désolé, j'ai les vieux réflexes à la Days, genre on est en train de rigoler, puis d'un coup il y a un mec qui me tire dessus. Là, le seul truc qui me désole, c'est que je suis à genre 15 FPS, quoi. Sinon c'est vraiment fait. Bah pour le moment, ouais. Ah oui, on peut en plus. Et t'as vu le strafing, il est vraiment... il est balèze. Il a une grosse inertie, mais il t'envoie bien sur le côté. Quoi. Ouais, je t'ai vu. Ouais. Je rends même une mini-boss et je m'envole quasiment. Et ça donne vraiment la sensation que les... Comme les motos dans Star Wars, tu sais. Ah par contre là je me suis retourné là. Ouais c'est bon, c'est facile en fait. Ah non, je m'en suis pas encore servi avec celui-là. Ouais je sais, je m'en sers tout le temps avec les vaisseaux. Mais là en moto je l'ai pas encore fait. C'est très très pratique parce que pour plein de raisons. Parce qu'en fait si tu veux il va mieux ajuster ta trajectoire avec le reste des... Wow. Et il y a des situations genre où vraiment je trouve que c'est indispensable pour un petit peu garder sa trajectoire cousin. Et d'autres moments m'intéresser. Je sais pas gros. Et d'ailleurs attends, je t'ai pas dit. Tu sais que quand on a fait les cons là avec les roquettes, avec le couteau et tout, quand je me suis recall le lendemain, j'avais deux de crime stats.
En fait, c'était même pas le lendemain. Heureusement d'ailleurs que c'était pas le lendemain. Parce qu'en fait, je me suis reco parce que j'arrivais pas à dormir. Donc, je suis revenu sur le jeu. Je me reco, 2 crime stats. Je meurs. Et là, 6 heures de prison. Toi, t'as pas pris de crime stats? Mais mec, c'est abusé. Tu m'as tué. Moi, je t'ai rien fait. Et j'ai pris 2 crime stats. Mais ouais, c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre. Et j'en ai parlé avec un gars. Il me disait, ouais, c'est vrai, c'est bizarre et tout. Enfin, doit y avoir un truc qu'on n'a pas compris, quoi. Bah, c'est. Ouais, je pense que c'est un bug, quoi. Je pense que c'est un bug. Oh, comment je mens? Ah, 350, 370, allez, les 400! Oui, 400! 410! Par contre, j'ai aucun contrôle, hein. Je le cache pas. Je fais demi-tour. Je fais genre de contrôle, mais t'inquiète, en fait, là, je tombe. Oh, mec, j'ai explosé! Genre, là, si tu retrouves un doigt, c'est que t'as de la chance déjà. Oh. Par contre, attends, c'est quoi? Ok, bah vas-y, je vais venir avec le colis. En tout cas, ouais, moi ça me plaît de venir avec le colis parce que je vais pouvoir tester la taille du hangar. Parce que moi, le hangar de ton vaisseau me semble plus grand visuellement. Ouais, hein. En fait, moi je crois que c'est peut-être légèrement plus large, mais pas plus. Il est moins long, peut-être. Parce que le hangar en entier, tu peux marcher tout autour, donc ça fait qu'il est plus petit. Ouais. Et ton hangar à toi, tu peux vraiment mettre plein de trucs, je pense. Le mien, le problème, c'est que. Voilà, c'est ça. C'est que le mien, vu que c'était un ascenseur. C'est pénalisant. Merde, attends, est-ce que je vais sur le bon landing pad au moins là? Ouais. Ça, c'est l'avantage de PO, tu t'en n'importe où. T'inquiète pas, j'arrive. Ouah, pas comme si on était à 5000 près. Hein. Non, mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que je vais te récupérer dans Constellation et puis on va aller chercher ton vaisseau avec. Je vais scanner la zone. D'ailleurs, j'ai compris comment le scan fonctionnait et c'est très utile maintenant. Le bouton V là. Ouais, alors il y a le ping et puis il y a le bouton V et ça change ton viseur en fait. Bah, tu peux scanner des vaisseaux aussi. Ouais. Je savais même pas que tu pouvais scanner des planètes du coup. Mais donc, j'ai enfin compris comment il marchait. Donc, c'est quand même un moment. Là, ça, c'est pas. Tu es Mouadib. Tu es le Kwisak Haderach, le surêtre. C'est lui, le Kwisak Haderach. Ah ouais? Elle était tellement flippante dans le film, mec. Non, avec ses yeux bleus, elle fait trop flipper, mon gars. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, je me souviens. Voilà, ouais, elle lui enlève les machins et il meurt comme une espèce de ballon là. C'est tellement comment je rêvais qu'il meure en plus, ce gars, c'est. Mais franchement, l'univers de Dune est trop bien. Ah ouais, y a un verre, ouais. L'épice est le verre et l'épice.